Récemment, autorité dominicaine yo pris décision pour mettre son liste et moun yo estimé qui et bon, selon l'islam et ou bien qui gon casier judiciaire ou bien qui représentait une menace pour sécurité nationale République dominicaine ou bien pour intérêt dominicain. Non, retrouvons dans la liste ces 39 personnalités ça. Quelle réaction par rapport avec décision et autorité dominicaine yo, et PM Paul? Bon, t'es seulement saisi, ouais, ça. M'a saisi, ouais, ça. M'a pas qu'on aime aucun contentieux en République dominicaine, pas qu'on aime aucun casier judiciaire en Haïti, m'a pas qu'on est tout en croix que nous sommes une menace internationale, une menace pour la République dominicaine, m'a pas qu'on ça, qui ça me fait, qui ça m'entreprend, qui t'a représenté ça. M'a pas gagné aucune activité, en République dominicaine, m'a pas dans business en République dominicaine, pas gain bien en République dominicaine, moins pas voyager en République dominicaine. Alors, si ton bagage que me pas comprendre, bon, normalement, et comme on a politique, et puis depuis quelques temps, bien le discap fait de temps en temps, on peut comprendre, il fait partie de stratégie internationale, fait liste de temps en temps, fait diversion sous véritable problème, non? Mais faire l'islam, c'est pas ça qui grave. C'est que vous faites l'islam sans aucune élégance, sans informer le monde, vous mettez sous l'islam, mon cher. Nous avons un problème avec vous, mais qui problème lié? Sans vous pas communiquer à l'État, pays d'Haïti, parce que si il y a des citoyens haïtiens qui ont bagaille, qui fait un autre l'État, qui ont un pays, ça a empêché d'entrer dans le pays, yo, eh bien, me penser que, yota, au moins, même pas élégant, dit l'État, ça, mais qui dossier nous gagne sous moun sa yo. Alors, jusqu'à présent, c'est l'opacité totale, et ni moun qui concerné qui sous l'islam, ni, gouvernement, l'État, gouvernement haïtien, l'État haïtien, selon autorité, yo, et pas gagne aucune information, sous qui raison qui t'a justifié, yo, prend décision, ça. Dans tout pays qui a pris décision, il y a trois pays, c'est les États-Unis, le Canada, la République dominicaine, pas prendre sanction, mais il dit, on va venir dans le pays. Bon, c'est doit aller. C'est non seul cas. Parmi plusieurs mondes, ils ont mis sous liste sanctionnée. Son seul cas, ils ont débattu quelques raisons. Les États-Unis ont débattu pour un cas. Après ça, c'est seulement monde dans sous liste là. Et puis, chaque monde pensait ça et voulait, malheureusement. Globalement, soit vous pensez de sanctions. Bon, c'est diversion, hein. M'pas ouais efficacité, li, m'pas ouais qui ça le bail, parce que si sanction, hein, l'été mené à solution à véritable problème, là. Si t'es fait dans transparence, si de tel monde, mais qui ça est reproché, mais qui ça le fait, mais qui évidence nous gagne. Je dis à, au nom de la technologie, qu'on bonne bagaille qui possible. Si on monde, par exemple, il y a des communications, yo intercepté communications, hein, ou bien il y a des transactions, il fait. Parce que le pas qu'à faire en cachette, même si c'est service secret qui gagne information, eh bien, information, ça, faut le servir. D'ailleurs, même pour protéger l'autre monde, même pour dissuader l'autre monde pas faire ça, l'État bon pour associer la presse, l'opinion publique, et à qui ça y reprocher mon yo, pour le pas sembler que c'est on démarche politique facile, ça moi les politiques faciles là, étant donné que nous fort en Haïti, j'ai doit tout le monde, n'importe qui bagaille, nous pas connaît, nous pas comprendre, et puis nous fait buzz, et puis eux même bien content, ils entrent dans la même politique ça tout. Au véritable problème là, son problème de gang cap simen la terre, mais gang nan gon outil principal qui est les armes, qui est les munitions. Et zam ak munisyon, hein, li bagen lot kote l soti ke nan peyi etranje. Et de peyi kote zam ak munisyon ka soti pou rentre an Haiti, se les Etats-Unis. D'ailleurs, kon rapor ki te soti nan organ de Nations Unies ki te eksplike filye kote gampil zam ki soti ou Etats-Unis ki rentre an Haiti. Li aktuellement un dosye ki devan tribunal kote gon l'Eglise ki genyen. Zam yo kon fè antre se Etats-Unis yo soti, genyen nou mèm nan relasyon nou avèk la Republik Dominikèn, se peyi nou gen relasyon pou privilejye avèk li, di pon de vu de komunikasyon, nou gen 1771 km de frontyèr,
nous gagnons frontière maritime avec lui, nous gagnons frontière aérien, et bien pas gagner aucune coopération rien qui fait qu'il a dit bon si ou bloquez pour ça entrer dans pays là, ça veut dire que les armes pas rentrer, munitions pas rentrer, me pensais que bandio a bien efficace ou bien si gagne des monde qui impliqué qui n'en fait ça entrer que mettez bagarre là sur la place publique, que font tribunal et pas qu'on est spécial comme justice Haïti a faible, mais pas en créant suspicion générale pour tout le monde mélange ensemble. Et puis c'est bagarre politique après que les gens bah mais qu'on déjà, qu'on entendait que ils voulaient changer classe politique etc. Alors moi même c'est ça que fait, je suis pas intervenu facilement parce que je me suis dit ça souvent, même temps mais ouais classe politique la changer parce que la société est dynamique, ça fait me parler moins pour me tendre l'autre monde qui parle, l'autre monde qui peut émerger pays là, c'est un pays dynamique par un monde qui l'a vu. Et même si on a vu qu'un bâtiment on le voit monde à long terme, mais la société est dynamique, son bagage intergénérationnel. Et puis maintenant cette démarche qui consiste à ce que vous mettez mon sous l'histoire parce que vous besoin éliminer le scène politique et, ou bien pour l'autre bagaille, peut-être non mon mettez sous l'histoire car gagne bah il fait pas aucun pas tout document, mais amalgame qui fait mélanger tout bagage ensemble non, je pense que son forme de diversion bah ouais efficacité et comme depuis de la fête là il n'a pas apporté aucun résultat dans ça peuple haïtien qui est victime d'insécurité a subi. Maintenant, il y a des gens nous tendent qui dit qui bat bravo la contentement par rapport à sanctions américaines, sanctions canadiennes et interdiction de territoire à 39 nationalités, à 39 ressortissants haïtiens et dont des personnalités politiques et très très connues. Et il y a des gens qui content qui dit que pays a gangrené, c'est politicien, c'est mon business qui mettait les âmes dans meilleur, il bat bravo la contentement. Mais maintenant ou même ou dit c'est une diversion et réaction à mon qui content et diversion ça quelle serait sa finalité et selon analyse ou monsieur Paul. Bon, pas gagner pour me battre bravo mon qui content parce que en général, c'est comme ça nous hier, dit que nous battre bravo pour ça ne pas comprendre, nous battre bravo pour ça ne comprendre et puis en général nous content les bon ta fâché, nous fâché les bon ta content. Alors pas gagner et c'est ça que mettre dans ça hier là, nous une grave crise n'a vivre. Et nous pas approfondir, poser des questions, chercher qu'on est, qui s'est mis de nos côtés là, parce que c'est un bagage extrêmement grave, et qui a passé depuis très longtemps dans le pays. Alors maintenant, je pense qu'il y a une crise, je pense que si il y a une crise de société, eh bien, il y a des gens qui ont une responsabilité directe ou indirecte là-dedans. Mais la question pour moi, t'a posé, pour qui ça, pour un pays, une société, d'ailleurs, tout le monde là-dedans qui pas bon, tout le monde politique pas bon, tout le monde d'affaires pas bon, mais nous savons côté aussi c'est dans le pays, c'est dans la société, à les machines société qui a produit mauvais monde, c'est comme ça qu'on t'a posé question. Bon, maintenant qu'on y a cette société là qui malade dans tout col, parce que maintenant dans quel secteur il dit bon, il longe doit être sous mon qui fait politique, mon qui dans business, sous la presse, sous l'église, il y a des fois à tort, il y a des fois à raison. Mais gon amalgame total tout pour nous c'est même pas quoi c'est vrai. Je pense que dans tout côté gen mauvais monde, dans tout côté tout gen bon monde, l'en fait amalgame dans comme ça, nous pas essayer jouer une solution. Maintenant ça moi les diversions. Diversion c'est là que gen un problème réel, yo ta mando par exemple, ba un coup de main pour résoudre li et pour pas résoudre. Ou prend pause ou a font bagarre puis ça fait aller pas gagner rapport avec véritable problème là par exemple. Il y a une humiliation que l'État haïtien victime, à savoir, dans les coulisses, il a poussé l'État haïtien à faire une demande qui a eu une balle en coup de main. Il a fait, parce que cette bagaille conseil des ministres qui était fait en octobre, côté que t'es manqué pour, communauté internationale, une balle en coup de main. Bon, on connaît, c'était monde international qui t'es manqué gouvernement. Sous fond de demande, là, pour répondre, on demande de Navarro. Et puis, maintenant, mais, yo mandé, yo baba, yo pour occuper, et pour occuper personne, etc., malgré qu'il y a monde qui a des accords, c'est une démarche lourde de conséquences sur le plan historique, sur le plan politique. Porter un gouvernement fait ça, et son bagage grave, et puis, malgré l'offre de fin fait et pour passer les, en dérision, ils font série de cité, bagage, on va, similacre, avion passant, les bateaux, bagage comme ça. Et puis tout ça met une sorte de confusion. Et puis maintenant, diversion, ça m'a dit diversion, ou fait bagaille qui pour attirer l'attention, non?
sous détail et puis véritable problème non pas moyen. C'est ça moi les diversions. Mm. OK. Maintenant monsieur Paul, est-ce que vous avez un visa américain canadien, est-ce que vous avez des biens et des intérêts aux États-Unis ou au Canada? Pas aucun bien aucun pays. Bagon poule, bagon zé dans aucun pays. Ou visa, c'est mandé pour mandé pour gagner, il pas mandé visa mal dans aucun pays. On pas déplacer facile ça. C'est citoyen haïtien mien. On pas un monde qui vit à l'étranger et son choix me fait depuis longtemps depuis mes jeunes garçons. Gen pile monde qui connait dit me vivre en exil, pas jamais vivre en exil. Moi été vivre caché dans pays. Même là tu gagne gros problème, tu mettais tête moi à prix. On t'a choisi rester dans pays. Me fait 6 ans caché dans pays à le pas d'un trait. Ça me fait sous Duvalier, ça me fait pendant coup d'état etc. Et là en 1991, j'étais magistrat Port-au-Prince, j'étais battement à l'aéroport Port-au-Prince etc. J'étais membre de une association francophone de mer etc. Pays parlé français. Et bien à ce moment-là, c'était monsieur Chirac qui était le président de cette association qui était maire de Paris. Les moins bagaille la boue, un avion, ambulance, une chercher pour mal prendre soin à l'étranger. Il était refusé, il était resté dans le pays, malgré que j'étais très blessé, très malade, etc. Je pas un monde qui voulait vivre dans le pays étranger. Et ceci, depuis le très jeune garçon, je suis sorti dans la famille modeste. Première fois, je voyageais, je suis allé aux États-Unis, j'avais 23 ans. Faut même te fâcher avec moi parce que me pas traité. Alors me pas choisi vivre dans pays étranger, c'est un choix, c'est choix pas moi fait, me pas gagne ni bien ni cob ni aucune activité dans pays, dans aucun pays étranger. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui si tu as sollicité un visa canadien ou américain, il n'y aurait aucune raison de ne pas vous l'accorder? Me pas connaît comme ça connaît. L'homme donne visa, yo ka ba mais comme pas mandé visa. Okay. Si m'pa mande visa, m'pa ka prédit. Okay. Ouba ka. Si m'a mande un interview, soit bon mwen, l'ok, ou abaye. Ouais. M'pa ka, m'pa ka commenter ça. Ok. Maintenant, PM, m'a gade moun ki dit, et gade organisation de défense des droits de l'homme qui rapporté, gade des témoignages, nous entendait des bandits eux-mêmes, kap dit que et c'est tel politicien qui bail tel âme dans moment où il a fait telle élection et gen moun qui dit que nous pas ta arriver là gen nous effondrer là sans une certaine responsabilité des élites politiques qui dirigent le pays, des éléments pardon de l'élite politique qui dirige le pays et des éléments de l'élite économique qui est chevillé avec des bandits, des activités et criminels. Globalement, ceux qui souffrent de cette réalité, ils en veulent à ceux qui ont été en position de responsabilité, ils en veulent aussi à ceux qui ont accumulé un certain niveau de richesse et presque au dépens du bien-être de la collectivité et qu'on espèce de joie, on bagaille jouissif, le ouais, ou même y a sanctionné. Et est-ce qu'on comprenne et partie ça et interpellation ça et critique ça et détachement ça tout de mon yo qui a envie mon ça yo du secteur politique et des affaires souffrir tout ou comprenne ça ou pas? Bon, non, normalement ou pas capable faire plongaille chaque monde responsable de sac yo. Ou pas capable faire l'autre monde responsable de sac l'autre monde. Si gen moun ki gen bagay yo fait que yo prend des mesures contre moun ki fait là, moi pas capable font amalgame pour dire tout monde c'est même. Excusez-moi, même pas en temps de procès. Zak yo fait pour n'y impunité, c'est plus gros problème dans tout. D'accord, gros problème de société, gros problème de l'État, gros problème de justice. Et maintenant qu'on est à toute bagarre réglée sur la place publique, chaque monde croit ça y ouvre. Et puis tout le monde, c'est très facile pour faire amalgame, pour dire c'est le monde qui fait politique, etc. Mais il y a plusieurs qualités de monde qui fait politique. Même j'en ai tout le monde qui fait la presse. Les journalistes disent c'est machin de micro. Mais pas quoi, tout le journaliste c'est machin de micro. Ça veut dire que son suspicion générale qui est dans la société. Qu'on y a ça qui peut le passer, qu'on y a. Comme tout le monde qui est dans la politique pas bon, tout le monde qui est dans les affaires pas bon, et mais pas de monde qui fait politique dans le pays encore, pas de monde qui fait affaire dans le pays. Et puis étranger a pu faire, il a pu tout le pays colonisé. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Dans toute société, dans tout secteur, toujours gain monde qui fait dérive. Dans tout le problème qui gagne dans le pays d'Haïti, et me dit plusieurs fois dans ce qui me capable parler, c'est fonctionnement société, il faut gain justice dans le pays. Là, on dit justice là, c'est dans tout sens.
justice l'on moun font bagay pour yon punir, ni justice tout pour moun pas accuser moun à tort. Si yon moun font bagay, li paye pour li, mais s'il pas font bagay tout, ou pas capable de suspecter li, longe de wet sous li, bagay, etc. Et puis bay menti sous li, c'est deux bagay. C'est deux gens pour nous, laisse à nous créer une société, je dis à. Pour moun paraît tête li, je dis à, pour faire politique, il faut en pile courage. Pour moun paraît tête li, pour le faire, pas qu'on est, pour le faire business dans le pays, il faut gagner en pile courage, parce que d'ailleurs, et ça cap mené, pour bon, faut pas bon. Pour bon, c'est soit ou dans misère, c'est soit ou pas parler du tout, c'est soit pas dans rien, et pour son bon monde, puisque pas qu'on est, mais des pour bon bagay ou à faire. Que ou c'est journaliste, que ou c'est intellectuel, que ou c'est businessman, et mais qu'on tendance pour qu'on suspicion généralisée, sur tout le monde qui devant c'est non. Moi-même, étant de ça, je comprends ça. Ça fait personnellement, mais c'est adopter une attitude de recul, parce que moi, je voulais un nouveau monde émerger. Mais comment analyser l'histoire du pays? Moi, ça a passé à là depuis 1806. Vous comprenez? Normalement, nous avons l'obé entre nous, qu'on a une contradiction entre nous, qu'on a une bagaille, on fait l'autre, etc., qui mettait nos côtés. Mais si nous pas analyser pour nous comprendre. Et puis, nous tombons dans une politique facile, non longer de sur tout le monde, capable de gagner monde vraiment, qui fait des bagailles qui pas bon. Eh bien, que régler cause avec monde qui fait le qui pas bon. Mais gagner monde tout fait respect, yo. Gagner monde qui fait respect, yo. Même pas qu'on aime dans quelle combinaison, même pas qu'on aime dans la corruption, pas qu'on aime déjà me faire rien pas bon, un petit peu de temps de faire ce quoi, tout ce qu'on aime son monde. Qui mettait mon service dans le libre démocratique depuis des années, qui souffre pour lui. Et puis c'est ça qui vit moins bon maintenant si on voulait jouer nos bagages c'est pour venir avec des précisions concernant Evans Paul ou pas capable faire Evans Paul pour tes causes l'autre monde qui fait bagages qui pas bon me pensais que même j'en nous-mêmes dans nos corporations journalistiques là des journalistes qui reprochent des bagages à tort qui reprochent des bagages à raison parce que c'est un journaliste et vous pas responsable cause tout ça on l'autre journaliste fait pas bon alors c'est ça qui pas bon hein. Nous pas capable faire la part des choses et pour ça nous besoin de justice là. Punir moun qui fait bagay qui pas bon et puis respecter moun tout qui est correct ou bien suspendre vie dépend des moun pour grand merci. Maintenant nous va proposer d'avoir dans une minute mais avant PM dans nos situations sécuritaires extrêmement terrible hier bon nous vivons l'autre journée terrible et attaque dans plusieurs communautés encore une fois Thomasin Mayod Balaptiré Woodfrère et Cabaret sous Matla Canaan comment on comprend bagaille ça et cap passer là et demande d'assistance et qui pas qu'à matérialiser difficulté nous même nous gagnons pour nous et gagner propre moyen nous pour nous assurer et sécurité qui analyse ça et bon moi gagne il y a un bagage principal que j'aime pas tellement préoccupé de étrangers qui pas venir aider nous parce que l'homme mandé yo kabaou et puis yo vinn combien fois déjà bagage la compliqué yo même tout yo gon certaine implication dans ça qui a passé dans pays c'est pas étranger qui responsable pas pays yo mais que ce soit implication yo nan fait police nationale non bonne mission qui finit en Haïti depuis des années bon pas parler de bagaille historique intervention américaine bagaille 1915 etc., ça fait plus d'un siècle mais récemment m'ta capable dire depuis 1992 Haïti censé gon relation m'ta capable serré avec la communauté internationale à travers l'OEA à travers l'ONU à travers les États-Unis à travers le Canada et tout le monde fourré bouche dans le pays d'Haïti, paquet de missions, etc. Et puis, bagarre la vie dégradée. C'est sûr que, les plus forts ont toujours une raison, et c'est la fontaine de la raison du plus fort est toujours la meilleure. Bon, ces pays, pas nous, c'est nous-mêmes qui peut toujours paraître comme un principal responsable. Et comme de fait, nous, c'est le principal responsable, parce que la situation n'a pas de dégrader, juste dans le progrès étranger, qui a vu l'aider, juste pour y'a gagné, on part, non, bilan négatif qui gagne. Maintenant qu'on y a préoccupation, hein, c'est que, bon, bagay kap dégradé, moun nos abois, insécurité, moun pa ka circuler, bandi ap touché, moun ta kapab di, faire moun pays droit de passage, pour aller dans le sud, pour aller dans le nord, etc. C'est, absence de un plan
de un plan haïtien, c'est-à-dire gon problème haïtien, c'est vrai l'état faible, mais gon gouvernement qui l'a quand même. Et mon problème c'est que nous pas senti gon plan d'action. Un plan qui t'a associé